Les populations d'Abomey-Calavi appellent les autorités communales et étatiques à agir dans l'intérêt général afin de résoudre la situation de l'indisponibilité des attestations de résidence. Depuis quelques jours, difficile donc d'obtenir cette attestation dans la commune d'Abomey-Calavi, pourtant commune à statut particulier. Ici, c'est l'autorité qui a donné l'ordre de faire ça. Ils n'ont qu'à retourner ça aux délégués. Quand c'est chez les délégués, il n'y a pas de problème. On va là-bas dans la nuit tard, on prend. J'avais pris ça plusieurs fois, ce n'est pas aujourd'hui. Maintenant, je fais les navettes, aller-retour avec tout ça, là, alors que je suis un retraité. L'argent, voilà. Dans mon quartier, j'ai un délégué. Je peux marcher à pied pour aller chercher. Maintenant, il faut prendre du carburant pour aller faire des allers-retours, vous voyez. C'est difficile. Le temps est dur. Si le mal doit perdurer, il faut qu'il fasse comme il le faisait avant, c'est-à-dire laisser les fiches au niveau des chefs quartiers pour que les usagers puissent en procurer. Ou carrément revoir le système à ce que les fiches soient en quantité disponible pour que nous ayons gain de cause. En croire le premier citoyen de la municipalité d'Abomey-Calavi, c'est une réforme propre à la commune pour aider les populations. Angelo Arwandinou rassure cependant de la fin dès la semaine prochaine des désagréments enregistrés jusque-là dans la délivrance du document. C'est une réforme que nous avons opérée au niveau de l'administration communale d'Abomey-Calavi. Quand nous entrons dans nos quartiers, dans les arrondissements, les attestations de résidence varient d'un arrondissement à un autre. Alors la mairie a opté d'uniformiser tout ceci. Et il y aura désormais un modèle type que les chefs quartiers viendront chercher. C'est-à-dire les chefs d'arrondissement viendront chercher au niveau de la mairie. Contre décharge, bien sûr. Et ils vont servir la population à la base. Ceci va éviter aussi des attestations de résidence à blanc que le chef quartier signe. Elle laisse ça à disposition de sa secrétaire et cette dernière délivre l'attestation à n'importe qui. Nous sommes à un moment où nous avons besoin de sécuriser notre population, de savoir qui est qui et qui fait quoi. Avant de délivrer une attestation à un individu, il faut être sûr que ce dernier vit effectivement dans le quartier et qu'on connaisse sa maison et que des gens soient en mesure de l'identifier. C'est de ça qu'il est question. Et derrière, dès la semaine prochaine, la nouvelle formule est disponible. Et toute la population sera servie convenablement comme cela se passait par le passé. On n'est pas en train d'exclure les chefs quartiers. Ils sont pleinement dans leur rôle. Maintenant, il a désormais un regard de l'administration communale sur tout ce qui se fera. Je dis, les chefs quartiers viendront chercher compte décharge ces attestations au niveau de la mairie et servir la population. Donc, ils ne sont pas exclus. Ils sont bien dedans, mais nous voulons corriger un peu ce que je fais. Les chefs quartiers n'ont pas le droit de recruter qui veulent et à qui confier les certificat de l'attestation de résidence. Non. La mairie a désormais un œil sur tout ce qui va se faire et le format est retenu au niveau de la mairie et sera présenté au chef quartier lors d'une rencontre. Je dis bien que dès la semaine prochaine, tout va rentrer en ordre. Il faut recruter des gens qui seront directement pris en charge par la mairie et ceux qui maîtrisent le travail pour délivrer convenablement, c'est-à-dire pour servir d'intermédiaire entre la population et les chefs quartiers. Donc, ce n'est pas encore trop. L'autorité communale dit prendre toutes les dispositions pour que les populations aient accès aux documents dès la semaine prochaine.